ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nous espérons que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de lundi 8 avril il est précisément 17h56, il est précisément 17h56. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser, et ça tombe plutôt bien, puisque comme vous le savez, le Ramadan est fini, demain, après-demain, en tout cas dans quelques jours au plus tard, les musulmans du monde entreront dans le mois de Shawwal. Et donc, ils accompliront, comme le veut la tradition, la prière de l'Aïd, la prière qui marque la rupture du jeûne du mois du Ramadan. Et c'est le sujet qui nous intéresse justement dans cette présente vidéo. Ce n'est pas non plus une pure coïncidence. Alors justement, en parlant du Ramadan, comme vous le savez, depuis très longtemps, malheureusement, pas depuis toujours, à l'époque du prophète, et je suppose que ce n'était pas le cas et après, mais ça s'explique pour des raisons numériques, entre autres. Les musulmans divergent quant à la question du début et de la fin du Ramadan. Ceci en raison du fait qu'il s'agit d'une vision oculaire, et que parfois cette vision oculaire ne permet pas de constater la présence de la nouvelle lune, qui marque le début du mois. Et donc, par conséquent, ils divergent tout le temps, quant au début et à la fin. Jusque-là, j'ai envie de dire, tout va plutôt bien, ou tout va plutôt normalement. Là où j'ai quand même des interrogations qui restent malheureusement sans réponse, peut-être que certains d'entre vous pourraient m'éclairer, justement, c'est concernant, entre autres, pas que, mais entre autres, les jours des rites du pèlerinage, ou, par exemple, c'est un exemple, la question du jeûne de Ashura, durant le mois de Muharram, le 10 du mois de Muharram. Alors, les rites du pèlerinage, comme vous devez probablement le savoir, s'accomplit durant le 12e mois lunaire, et entre le 8 et le 12 de ce mois. En d'autres termes, on ne peut pas accomplir le pèlerinage en dehors du 12e mois lunaire, et on ne peut pas non plus, durant ce mois, accomplir les rites du pèlerinage en dehors des jours, des dates que je viens de citer. Avant, c'est pas autorisé, et après, c'est pas autorisé. Concernant le jeûne de Ashura, par exemple, il s'accomplit le 10 du mois du Muharram, et pas avant et pas après. C'est pas le 8, c'est pas le 7, c'est pas le 11. Bon. Là où j'ai une vive interrogation, c'est que comment se fait-il que là on ne diverge pas? Je m'explique. Le Ramadan, pour ceux en tout cas qui se fient toujours à la vision oculaire, on ne sait pas. On n'a pas vu la nouvelle lune, mais ne pas voir la nouvelle lune, ce n'est pas forcément que la nouvelle lune n'est pas là. Il se peut qu'elle soit là, mais qu'on ne la voit pas. Et donc, mais si on ne la voit pas, ben on est obligé de commencer le lendemain. Le lendemain, on n'est pas forcément, donc par conséquent, le premier du Ramadan.
Parce que si la nouvelle lune était là mais qu'on ne l'a pas vue, ben en réalité on n'est pas le premier du ramadan, on est le deuxième du ramadan. Parce qu'on ne l'a pas vue. Concernant les dates du pèlerinage ou du jeûne du mois de Muharram, Ashura, lorsque les gens vont faire le pèlerinage, ils ne divergent pas de savoir est-ce qu'on est bien le 8 pour accomplir le rite, on est bien le 9, on est bien le 10, on est bien le 11, on est bien le 12. Ils ne divergent pas. Ils y vont durant le 12e mois, et lorsqu'ils y vont, le 8 ils font tel rite, le 9 ils font tel rite, etc. Il n'y a personne qui diverge. Entre eux, ils disent pas, non, mais là, on n'est pas le 8, on est le 7, c'est plutôt demain, on n'est pas le 12, on est le 11, etc. Ils ne divergent pas. Alors qu'en réalité, ils devraient diverger. Parce que ben, si ils sont pas d'accord sur la nouvelle lune du 12e mois, que certains considèrent qu'on est rentré dans le 12e mois, d'autres ailleurs considèrent qu'ils ne sont pas rentrés dans le 12e mois. Et que le 12e mois, c'est plutôt le lendemain, ou c'était plutôt la veille. Donc il y a un décalage entre eux, à travers le monde, qui fait que ben, ils n'ont pas tous la même date, ce qui est normal. Il y a un décalage entre eux. Pour certains, on est le 1, pour d'autres, on n'est pas le 1, on est le 2. Ils n'ont pas vu la nouvelle lune, comme pour le ramadan. Par conséquent, lorsqu'ils vont faire le pèlerinage, ils ne peuvent pas faire en même temps que les autres. Parce que pour celui qui c'est le 8, pour l'autre, ça se trouve, c'est le 7. Ou par l'autre, ça se trouve, c'est le 9. Mais pourquoi ils divergent pas là? Pourquoi ils sont tous d'accord qu'on est le 8, on est le 9, on est le 10? Année après année, il n'y a aucune divergence. Pour le jeûne de Ashura, ils ne divergent pas. Lorsqu'ils voient la nouvelle lune, il se peut qu'ils ont loupé la nouvelle lune de l'entrée du mois de Muharram. C'est pas impossible. Comme on le loupe pour le ramadan. Donc par conséquent, si on a loupé la nouvelle lune, il se peut qu'aujourd'hui, on n'est pas le 10 du mois de Muharram. Il se peut qu'on est le 9. Comment peut-on être sûr qu'on est bien en train de jeûner le 10 du mois de Muharram? Si on a loupé la nouvelle lune, on n'est donc pas le 1, on est le 2. On n'est pas le 2, on est le 1. On ne sait pas. Et puis là aussi, il devrait diverger dans le monde. Certains le font à telle période. Là, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que pour le ramadan. Pour le ramadan, ils ne sont pas d'accord. Certains vous disent, on est au début du on est le premier ramadan. D'autres disent, non, on n'est pas le premier. Le premier, c'est plutôt demain, ou c'était plutôt hier. Et pour la fin, c'est pareil. Non, ce n'est pas la fin. Le mois de Shawwal, c'est demain. Non, c'était plutôt hier. Bon, ça s'explique par la vision oculaire. Pas de problème. Mais pourquoi les autres, ça s'explique? Il n'y a pas de problème. Ils devraient avoir ces problèmes-là à chaque date anniversaire. À chaque anniversaire, ils devraient ne pas être d'accord. Et là, ils sont tous d'accord. Je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Je ne sais pas si vous avez des réponses. Alors, effectivement, comme j'ai mis dans l'introduction de cette vidéo, vous avez ces fameux récitateurs du Coran. J'appelle ça, moi, des crooners. Ce sont des crooners, parce que le Coran, avant toute chose, il a été révélé pour être appliqué. L'obligation pour le musulman, c'est pas de l'apprendre par cœur. Il ne sera pas interrogé le jour des comptes, est-ce qu'il a pris le Coran par cœur, est-ce qu'il sait bien le réciter, est-ce qu'il sait bien prononcer le signe, les chines, il ne sera pas interrogé sur ça. Il sera interrogé sur l'application. Est-ce qu'il a respecté le Coran dans son application? Ça, pour ça, on sera interrogé. Et on a affaire depuis, malheureusement, bien trop longtemps, à des gens qui ont détourné le sens, la raison du pourquoi du Coran, pour en faire justement, ça fait partie des signes de la fin des temps en même temps, la récitation, c'est uniquement ils récitent le Coran et ils font tout le contraire. Ils font tout le contraire. Et c'est pour ça que nous avons un certain nombre de hadiths, entre autres, et puis de paroles de savants, qui nous parlent de ces gens-là. Qui récitent
bien, voire très bien le Coran, mais dans l'application, ils sont à l'opposé de l'application. Ils font exactement le contraire. C'est comme pour Tarawih. Tarawih, les mosquées sont pleines, ils récitent le Coran. Du Coran, du début à la fin, Allah parle de plein de choses, des lois, des hudouds, de plein de choses. Mais ils font, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Ils ne font absolument, pour ainsi dire, ils sont à l'opposé de ce qu'ils lisent. Ils sont à l'opposé. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Juste après, il récite Surat Al-Fatiha, puis il est recommandé de lire soit Surat Qaf, soit Surat Al-A'la. Ce n'est pas une obligation, c'est juste que ce sont ces sourates que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Eid. Il poursuit la prière avec le ruku', la génuflexion, puis les deux prosternations. Il se relève avec Allahu Akbar, puis il le répète 5 fois. Je vous mets en description le lien vers la prière de l'Eid dont je vous ai passé un extrait il y a un instant, si vous souhaitez voir la démonstration, Inch'Allah. Après ces 5 takbirat, il récite Surat Al-Fatiha, puis de préférence Surat Al-Qamar ou Surat Al-Rashia. Il termine ensuite la prière de manière classique. Je vous préparerai quant à moi un petit discours, un petit rappel pour le jour de l'Eid, si vous souhaitez par exemple le visionner en famille, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien, préparez de bons petits gâteaux pour l'Eid, partagez avec vos voisins, et lorsque vous les dégusterez, ayez une petite pensée pour moi, j'en suis friand. Que la paix soit sur vous. Tout simplement, maintenant, on va essayer de comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à faire cette prière-là. Donc, c'est une prière surrogatoire de 2 rak'at, d'accord ? Donc il y a 2 unités de prière. Très bien. Comment est-ce qu'elle se fait ? Déjà, elle se fait sans adhan, sans iqama. Très bien. Quand est-ce qu'elle va se faire ? Elle va se faire le jour de l'Eid. D'accord ? Donc le musulman, une fois qu'il aura fini ses 30 jours de Ramadan, il va rentrer dans le premier jour de l'Eid. Tout simplement, après Salat al-Fajr, donc il sera bien de manger une date pour bien distinguer la coupure entre ton mois de Ramadan et le jour de l'Eid. Très bien. Ça va être après Salat al-Fajr. Ensuite, tu attends jusqu'au shuruq, jusqu'à que le soleil se lève, d'accord ? Et tu attendras à peu près 1 demi-heure, 20 minutes après, et tu te regrouperas, toi et ta famille, pour prier Salat al-Eid. Salat al-Eid, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle se fait sans adhan et sans iqama. Donc, tu vas rentrer en takbirat al-ihram. La première chose, tu vas faire ta takbirat al-ihram, donc ça va être Allahu Akbar, très bien. Et tu vas en rajouter 6 autres, d'accord ? Très bien ? Donc, ça fait... Allahu Akbar, c'est ta première takbira. Allahu Akbar, la deuxième. Allahu Akbar, la troisième. Allahu Akbar, la quatrième. Allahu Akbar, la cinquième. Allahu Akbar, la sixième. Allahu Akbar, la septième. Très bien. Là, maintenant, tu vas réciter Surat al-Fatiha, d'accord ? Plus une surah, très bien. Si tu connais Surat al-A'la ou Surat al-Rashia, tant mieux. Sinon, tu peux réciter une petite surah, très bien. Une fois que tu as fini ta surah, par exemple, tu as fini Surat Qullahu Ahad, tu vas aller en ruku'. Ensuite, tu vas aller en sujoud. Après, tu vas faire tes sajdatayn, comme d'habitude. Après, tu vas te relever. Et là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire ta prière. Tu vas rentrer dans ta deuxième raka. Et là, tu vas faire 5 takbirat. Donc, ça va être comme ça. Allahu Akbar 1 fois. Allahu Akbar 2 fois. Allahu Akbar 3 fois. Allahu Akbar 4 fois. Allahu Akbar 5 fois. Très bien. Maintenant, tu vas réciter surat al-Fatiha plus une autre surah. Et une fois que tu as fini cette surah-là, tu vas faire ton ruku'. Tu vas faire ton sujoud, d'accord, tes sajdatayn, ton taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et là, tu n'as pas besoin de faire de khutbah. Il faut bien savoir, hein,
Donc, tu n'as pas besoin de faire de khutba, tout simplement. Et là, Inch'Allah, tu as fini ta salat al-Eid, tout simplement. Et ici, il n'y a ni adhan et ni iqama. Donc, on fait ni l'appel à la prière et on fait ni al-iqama, ce qu'on prononce avant d'accomplir la prière. On accomplit directement salatul Eid. Comment on l'accomplit? Eh bien, ici, c'est très simple. Vous mettez vos mains en position afin de rentrer dans la prière comme vous le faites de manière habituelle pour accomplir vos prières. Et vous dites Allahu Akbar. D'accord? Donc, faites bien attention. Le takbir, takbiratul ihram, vous ne le comptez pas dans le décompte que je vais vous préciser ici après. Donc, vous dites Allahu Akbar. Khalas, vous êtes entré dans la prière. Quand vous êtes entré dans la prière, vous répétez 6 fois Allahu Akbar, lentement. Vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 fois. Vous avez vu, on n'a pas compté le takbiratul ihram. Avec le takbiratul ihram, ça fait 7. Donc, vous dites Allahu Akbar, ensuite vous répétez 6 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ceux derrière vous le répètent après vous. D'accord? Allahu Akbar. Quand vous avez répété les 6 fois, Allahu Akbar, donc à ce moment-là, vous commencez la récitation de Surat al-Fatiha, et ensuite une autre sourate, peu importe la sourate, ce qui relève de la sunna, il y a certaines sourates recommandées comme Sabbih isma rabbika al-a'la pour la première rak'a, et Hal ataka hadithul ghashiyah pour la deuxième rak'a. Si vous ne connaissez pas ces sourates, pas de problème, vous récitez n'importe quelle sourate. Ensuite, vous continuez votre prière comme vous le faites de manière habituelle. Allahu Akbar. Donc, vous vous inclinez. Sami Allahu liman hamida. Une prosternation, assis. Une deuxième prosternation. Et vous vous levez. Et quand vous vous levez, vous allez dire Allahu Akbar, normalement. Ok? Donc, vous êtes debout, vous êtes dans la deuxième unité de prière. La deuxième unité de prière, eh bien, à ce moment-là, vous répétez. Là, cette fois-ci, pas 6 fois, mais 5 fois Allahu Akbar. Donc dans la première unité de prière, on répète 6 fois, sans compter takbiratul ihram. Et dans la deuxième unité de prière, on répète 5 fois, sans compter bien sûr le takbir, takbiratul intiqal, c'est-à-dire le takbir quand vous vous êtes relevé du sujoud. Vous dites Allahu Akbar, vous êtes debout, c'est bon. Vous comptez 5 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc vous le répétez 5 fois. Quand vous l'avez dit 5 fois Allahu Akbar, eh bien vous continuez avec la récitation de surat al-Fatiha et une sourate. Peu importe la sourate, comme je vous ai dit, recommandée dans la deuxième raka'a, parmi les sourates qui sont recommandées, « Hal ataka hadithul ghashiyah ». Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah wa alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ba'd. Dans cette vidéo, une démonstration très rapide de salatul Eid. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé une description concrète de salatul Eid, bien que j'avais fait une vidéo, mais apparemment les gens veulent voir les gestes. Aucun problème, on est parti. Salatul Eid, il n'y a pas de adhan, pas de iqama. On commence. Allahu Akbar. J'ai dit Allahu Akbar la première fois. C'est ce qu'on appelle takbiratul ihram, c'est ce qui vous permet de rentrer en prière. La main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Là, il va me rester 6 takbir. 6 takbir, c'est-à-dire 6 fois de plus, je vais dire Allahu Akbar, ce qui fait un total de 7 takbir dans la première rak'a. Je vous montre donc ce que ça donne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et une fois que j'ai fini les 7 takbir, je vais réciter la Fatiha et une deuxième sourate. Puis après cela, je vais m'incliner, comme dans toutes les prières. Allahu Akbar. Je m'incline. Et on dit ici, Subhana Rabbil Azim, 3 fois. Puis, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa laka alhamd. Puis ensuite, je me prosterne. Allahu Akbar. Donc, je suis prosterné. Pendant que je suis prosterné, je dis Subhana Rabbil A'la 3 fois. Je me rassois en disant Allahu Akbar. Puis, Allahu Akbar. De nouveau, je me prosterne. Puis après cela, Allahu Akbar. Ça, c'est ce qu'on appelle le takbir de l'intiqal. C'est le takbir pour se déplacer. Une fois debout, je répète 5 fois le takbir. Donc ce takbir que je viens de faire là n'est pas compté dans les 5. Il y a le takbir de l'intiqal plus 5 nouveaux takbir. Et dans l'école malikite, on ne lève plus les mains. On ne lève la main, on a dit, que pour takbiratul ihram la première fois. Donc, je me suis levé, là maintenant, on reprend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 fois, puis la Fatiha, une deuxième sourate, ensuite pareil, je vais m'incliner, Subhana Rabbil Azim, 3 fois, puis je me relève, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, je me prosterne de nouveau, Allahu Akbar. Ensuite, je me rassois, Allahu Akbar. Je me reprosterne, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et là, il y a le tashahud et le salut final. Tu as fini, Salatul Eid. Tu as vu, c'est simple, c'est facile. Propage la vidéo pour que les gens apprennent à faire Salatul Eid. Nous avons entendu quatre imams. Et les quatre imams, ces quatre imams enseignent à ceux qui veulent bien l'entendre l'accomplissement de la Salat al-Aïd, comment l'accomplir. Nous nous sommes intéressés au nombre de takbir quant à la première rak'a et la seconde rak'a. Manifestement, entre eux, il y a un consensus jusqu'à les écouter. Il y a sept takbir pour la première rak'a et 5 pour la deuxième. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été dit, parce que vous l'avez entendu, donc inutile de le repréciser. Et donc, selon ce qui nous a été dit, c'est ainsi que s'accomplit la Salat al-Aïd. 7 rak'a et 5 7 rak'a. 7 takbir, pardon, et 5 takbir pour la seconde rak'a. Nous allons nous intéresser à présent aux différents textes et on se retrouve ensuite, Inch'Allah. À la lecture de ce qui a été mentionné, nous constatons, pour ne pas changer, qu'il y a divergence parmi les savants. Que Shafi'i dit 7 en dehors du takbir de l'Ihram, donc 8, et 5 pour la seconde rak'a en dehors du takbir du redressement. Pour Malik et Ahmed, c'est 7 et 5, conformément à ce qu'on a vu dans les extraits vidéo. Et pour les mêmes Abu Hanifa, c'est plutôt 5 en incluant le takbir de l'Ihram, donc 4 et 1, et 4 en incluant le takbir du redressement, donc 3 et 1. Bon. Premier constat, ils ne savent pas comment faire la Salat al-Aïd. Ils ne savent pas comment la faire.
Les écoles divergent sur le nombre de takbir qu'il faille faire durant la première et la seconde rak'a. Premier point. À présent, intéressons-nous à un deuxième élément de cette prière, c'est-à-dire la question de y a-t-il ou non un appel à la prière. Tout simplement, maintenant, on va essayer de comprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à faire cette prière-là. Donc, c'est une prière surrogatoire de deux rak'at, d'accord ? Donc, il y a deux unités de prière, très bien. Comment est-ce que elle se fait ? Déjà, elle se fait sans adhan, sans iqama, très bien. Et ici, il n'y a ni adhan et ni iqama. Donc, on fait ni l'appel à la prière et on fait ni al-iqama, ce qu'on prononce avant d'accomplir la prière. On accomplit directement salatul Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Dans cette vidéo, une démonstration très rapide de salatul Eid. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé une description concrète de salatul Eid, bien que j'avais fait une vidéo, mais apparemment les gens veulent voir les gestes. Aucun problème, on est parti. Salatul Eid, il n'y a pas de adhan, pas de iqama. On commence. Allahu akbar. À l'écoute de ces extraits, et de ce qui est fort connu, il n'y a pas d'appel ni d'iqama pour la salat al-Aïd. Contrairement aux autres prières, de toute façon la question ne se pose pas en France, qu'il n'y a pas d'appel tout court, ni pour l'Aïd, ni pour rien du tout. Comme ça, il n'y a pas lieu de polémiquer et de s'interroger. Pour la salat al-Aïd, de ce qui est connu, c'est qu'il n'y a pas d'appel à la prière et d'iqama. Alors moi, je vous présente ce texte. À la lecture de ce texte, c'est pas ce que dit l'imam Nawawi. L'imam Nawawi dit, dans le Sharh de Muslim, il dit, il faut comprendre par le fait qu'il a été dit qu'il n'a pas d'appel à la prière et à l'iqama pour Salat al-Aïd, ça veut dire qu'il faut comprendre par là qu'il n'y a pas d'appel à la prière au sens que l'on connaît, avec les formules que l'on connaît. Ça, il n'y a pas. Mais il y a un appel à la prière de l'Aïd. Cet appel se résume par le fait d'appeler les gens au rassemblement de la prière de l'Aïd. On se doit de lancer un appel et d'appeler les gens au rassemblement de la prière de l'Aïd. Mais on ne peut pas lancer un appel comme on le fait pour les cinq prières obligatoires, par exemple. Et d'Iqama, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont deux choses différentes. Donc pour résumer cette vidéo, nous constatons dans un premier temps que contrairement à ce qui a été dit, la prière de Salat al-Aïd, ils ne sont d'accord sur rien. Ils ne sont pas d'accord sur le fait que du nombre de takbir, ils divergent, comme on l'a vu, premier point. Ils ne sont pas d'accord sur la question de l'appel à la prière. Ils vous disent qu'il n'y a pas d'appel à la prière. Nawawi vous dit si, il y a un appel à la prière, mais pas avec la formule que l'on connaît. Mais on doit appeler les gens à venir à la prière, au rassemblement. Deuxième point. Le troisième des points, c'est qu'ils ne savent pas, contrairement à ce qu'a affirmé Hamid de la chaîne Comprend ton din, où il a dit c'est une sunna muakkada, ils ne le savent pas. Certains disent c'est une sunna, d'autres disent c'est une obligation, d'autres disent c'est une obligation kifaya, et patati patata. Ils ne savent pas. Et enfin, le dernier point, c'est qu'ils divergent quant au fait de savoir est-ce qu'on doit dire takbir les uns derrière les autres, ou
Plutôt, comme l'a dit l'imam Shafi'i, entre chaque takbir, on doit faire des invocations et des évocations. C'est ce que dit l'imam Shafi'i. Et Ahmed Shafi'i, Ahmed recommande d'évoquer entre chaque takbir, d'évoquer Ibn Mas'ud, par exemple. C'est consternant. Donc la question que j'ai envie de poser et qui s'impose, c'est la prière du prophète, elle est où là-dedans? La prière du prophète, elle est où là-dedans? Si on les écoute eux, ça veut dire tout le reste, ils ont tort. Ils font pas la prière du prophète. Donc en fait, dans les quatre écoles, on va, pour la forme, leur donner chacun, entre guillemets, leur droit, leur légitimité. On va diviser par 4. 25% pour l'imam Malik, 25% pour l'imam Ahmed, 25% pour l'imam Shafi'i et 25% pour l'imam Abu Hanifa. Chacun qui suit une des quatre écoles. Pour ne pas parler des autres, ça sera encore beaucoup trop compliqué. Donc si on divise par 4, on doit considérer que 75% des musulmans ne font pas la prière de l'Aïd comme l'aurait fait le prophète. Et que finalement, il n'y a que 25% qui la font comme l'a fait le prophète. 25% si on considère que la vérité, elle est dans ces quatre écoles. Que la vérité, elle est parmi la vie des quatre écoles. Mais on n'en a absolument pas la preuve. Puisque celui qui est censé avoir raison dans les 100%, donc les 25%, il n'est pas reconnu par les autres qu'il a raison. Il rejette ses arguments. Il considère que ses arguments ne tiennent pas sur le nombre de takbir ou sur tel point, ils ne tiennent pas. Donc, en fait, dans cette histoire, il n'y a personne qui a la preuve. Chacun dit non, toi, ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est comme ça qu'il faut faire l'autre, non, c'est pas vrai, ils ne savent pas. Donc, dans le meilleur des cas, on peut considérer que si on divise par 4 le nombre de fidèles de chaque école, il y a 75% des musulmans qui ne font pas la prière de l'Aïd comme l'a fait le prophète. Et que 25% la font. C'est peut-être Malik, c'est peut-être Ahmed, c'est peut-être Shafi'i, c'est peut-être Abu Hanifa. Pour ne pas parler de Ibn Hazm et encore autre chose. Parce que là, on va diviser, il ne restera que plus 1,2% pour chaque... Là, c'est pas la peine. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est dans le meilleur des cas si on considère que la vérité, elle est dans les quatre écoles. Dans au moins une des quatre écoles. Mais ça, on n'en est pas sûr. On n'est pas sûr qu'il y a quelqu'un qui a la vérité. Ça se trouve, il a une petite partie de la vérité. Mais il n'a pas le reste. Ça se trouve, il n'a rien du tout. Tout ça pour vous dire quoi? Quand ces gugus, ils vous font des vidéos et qui vous disent, voilà, sur un ton péremptoire, de vraiment aucune réserve, ils parlent aucune réserve, ils vous disent que c'est comme ça, et c'est comme ça, ben, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Et on le voit, dans les extraits que j'ai diffusés, ils ne sont d'accord sur rien. À ce compose du premier élément, obligatoire ou pas, ils ne le savent pas. Vous avez plusieurs avis. Le nombre de takbir, ils ne savent pas. Est-ce qu'on doit faire des pauses lorsqu'on dit le takbir, Allahu Akbar, on fait une pause pour évoquer Allah? Ils ne savent pas. Et est-ce qu'il y a un appel à la prière? Ils ne savent pas. Il n'y a pas d'appel à la prière, mais il y a un appel au rassemblement. Alors qu'eux, ils vous disent qu'il n'y a pas d'appel du tout. Tu te lèves le matin, tu vas à la mosquée. T'attends, tu regardes le soleil, machin, et tu vas à la mosquée. Non? Non, oui, il faut comprendre par là ce que j'ai dit. Donc, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Et ça se trouve, il n'y a personne qui fait la prière de l'Aïd comme l'a fait le prophète. Personne. Et dans le meilleur des cas, et je pense que c'est même pas en réalité la vérité, il y aurait peut-être une école sur 4 qui aurait une partie de la vérité. Donc, en fait, il n'y a personne qui fait la prière du... Et là, ça m'amène à vous dire quoi? À cette supercherie. La question, elle est simple. Partant de ce constat qui est... C'est du factuel, ce que je vous ai dit. Là, ce que je vous dis, c'est du factuel. Je vous ai mis les textes, etc. Bon.
sur une prière que le prophète a fait peut-être durant une décennie à Médine. Il l'a fait pendant des années et des années. Il l'a fait devant tous les compagnons. Ils l'ont vu comment prier, etc., 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 pendant des années. Mais que finalement, l'information qui nous est parvenue, ce n'est pas la faute des compagnons. Les compagnons ne peuvent pas diverger sur une chose qu'ils ont vue. Ce n'est pas possible. Ibn Abbas ne peut pas dire Omar ou... ils ne peuvent pas. S'ils l'ont vu, ils ne peuvent pas diverger. Bon. Si on diverge, aujourd'hui, ce n'est pas dû au fait aux compagnons. Là, la divergence, ça ne vient pas d'une information qui est à la base erronée ou qui n'a pas d'information. Donc, ce que j'avais expliqué qui justifie la divergence. Là, la divergence, elle n'est pas de droit. Puisque Omar, comme Ali, comme Abu Bakr, comme Bilal, ils ont vu le prophète, radiallahu anhum, ils ont vu le prophète faire la prière de l'Aïd. Donc, si tu veux interroger Bilal, il ne va pas te dire 7, et Omar 5, et Ali 4, et Abu Bakr 2. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Donc, ça ne vient pas d'eux. Ça vient du fait de ce qui a été fait par en rapport avec les hadiths, qui a conduit justement à cette situation. Par conséquent, forcément, des gens ont dit tout et n'importe quoi. Obligatoirement. Celui qui a dit 7, alors que ce n'était pas 7, c'était 5, il a dit n'importe quoi. Et celui qui a dit 5, en fait, quand c'était 3, il a dit n'importe quoi. Par conséquent, si ils sont incapables de savoir et d'avoir une véritable information sur une chose qui a été faite pendant des années par le prophète et au vu et au su de tous les compagnons, l'information nous est parvenue de façon erronée, et c'est le moins que je puisse dire, comment peut-il ensuite prétendre, ces mêmes personnes, que tel hadith, il est authentique parce qu'il se trouve dans tel livre, sur une chose qui n'est pas comme la prière où on ne peut pas se tromper. Mais ils vont avoir le culot de vous dire, le prophète a dit « priez comme vous m'avez vu prier ». Ah oui, ben ouais, prier comme c'est un petit peu compliqué, j'ai envie de dire, de prier comme a vu le prophète, on voit bien un extrait ici. Mais surtout, si on n'est pas d'accord sur une chose sur laquelle on ne peut pas se tromper, comment être d'accord sur une chose qui justifie qu'on se trompe? Parce que peu de compagnons l'ont vu, peu de compagnons l'ont entendu, ou l'ont compris, etc. C'est-à-dire tout ce qui sort de ce qui a été fait constamment par le prophète, etc. Donc j'ai envie de dire à plus forte raison. Voilà. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est qu'on ne sait pas comment le prophète a fait l'Aïd. On ne sait pas. Malik, il a dit ça, il est contredit par les autres. Ils se contredisent les uns des autres. On ne sait pas. Et pourquoi Malik, il aura raison, puisque Shafi'i, ou puisque Ahmed, ou Abu Hanifa, ou Ibn Hazm. Pourquoi? Donc, qui fait la prière de l'Aïd correctement? Peut-être une infime minorité, un tout petit pourcentage, qui peut-être l'a fait partiellement, comme l'a fait le prophète. Dans le meilleur des cas, s'il a la vérité, il doit avoir qu'une partie de la vérité. Il doit avoir des vérités qui se baladent un petit peu partout. Là, il a raison, mais l'autre, il a tort sur ça. Voilà, comme ça. Donc finalement, il n'y a personne qui fait la prière de l'Aïd comme l'a fait le prophète. Donc il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter de nous faire des vidéos. Vous venez nous expliquer 7 takbir, machin truc, 5 takbir, machin truc. Et patati, vous rentrez dans les détails. Il n'y a pas d'appel à la prière. Comme l'a dit Hamid, c'est une sunna. C'est quand même... voilà. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, entre ce qu'eux, ils vous disent et ce qu'il y a en réalité, c'est, pour ainsi dire, toujours rien à voir. Sur ce, Saraf Tolkom, et à bientôt, Inch'Allah.